Good morning, allez, Yid, ce sera aujourd'hui le Lunishmat Abraham de Chai Ben Yitzhak, Vafani Deven, Ben Fortunam Zalfritna, Edoura Batester. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sarat Ktuvot, Perikret, Mishnah Hei. Naflula Avadim, Ushfachot, Zkenim. Imacheru, Vilakach, Ben Karaka, Vehu, Ochel Perot. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Lotim Kor, Mipene, She'en Shvach, Betavia. Nafloula zetim ou gefanim zkenim, yemacheru laetim et la karben karka, veochel perot, rabbi Yehuda omer lotim kor mipene shen shvach betavia. Amotzi otzaot al yirse ishto, hotzi harbe veachal kim'a, kim'a veachal harbe, ma she hotzi otzi, ou ma she achal achal, otzi velo achal, ishava kama otzi, veitol. Continue le sujet des bien qui appartiennent à la femme, que le mari est en droit d'exploiter lorsqu'ils sont mariés, avec différentes situations. Il y a deux problématiques en réalité, qu'on traîne maintenant depuis maintenant deux Mishnayot, et qu'on entre dans plusieurs petits détails qui expriment concrètement dans cette situation, les deux points c'est quoi? Les deux points c'est tout d'abord, de manière générale, ce qu'elle fait entrer, ce qu'elle apporte comme argent, c'est un capital. Je dois prendre un terrain et manger les fruits, mais sans user le capital. Et ce qu'elle fait, mais une fois qu'elle m'apporte un capital, les fruits que je consomme, c'est à moi, et même si je divorce, je ne dois pas lui rendre ce que j'ai consommé, parce que pendant qu'on était marié, c'était la condition que moi je prends les fruits. Après, suite à ça, on rentre dans toutes sortes de situations délicates, où, comment définir exactement qu'est-ce qu'on appelle capital, qu'est-ce qu'on appelle comme fruit? Avec une première situation d'abord. Naflula avadim ou shfachot zkenim. Elle a reçu en héritage des esclaves et des servantes, vieux, ils sont plus tellement efficaces. Et pire que ça, imaginez. Ouais, ma femme, elle reçoit en héritage maintenant un esclave de 85 ans. Sympathique, il sait encore faire quelque chose, mais il n'est plus du tout efficace. Mais pire que ça. Dans quelques années, jusqu'à 120 ans. Je ne sais pas s'il faut sous 120 ans pour un esclave, mais en tout cas, dans quelques années, ça va aller en empirant jusqu'à qu'à la fin, il va valoir que 10 shekels au marché des esclaves. C'est-à-dire qu'on a un capital qui est en train de perdre de sa valeur. Pour moi, il n'est pas productif. Pour elle, son capital, il va disparaître. Qu'est-ce qu'on fait? Si elle a reçu des esclaves et des servantes vieux, eh bien, on les vendra. Et on dira pas que maintenant il doit exploiter, il peut imposer à la femme, il dit écoute, c'est pas une bonne affaire cette histoire, viens faire quelque chose de plus racham, on va aller les vendre au marché des esclaves, on va donner ce qu'on va donner, on va me donner 10 000, avec les 10 000 j'achète un petit terrain, un petit pardès, et on va au moins manger des fruits. D'accord? Ça c'est la vie de Tanakama. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben dit, l'otimkor, elle n'est pas obligée de vendre. Elle peut dire non, je veux qu'on le laisse. Pourquoi? Parce que ça lui rappelle la valeur de la maison de son père. Elle lui dit, écoute, moi, mon père, il utilisait ça, et c'était son esclave, et puis moi, j'ai pas envie de le vendre. C'est une valeur un peu sentimentale. Elle prétend comme ça, en tout cas, elle a le droit de le prétendre. Et ça nous rappelle que c'est ce qu'on vit, notre richesse, on a grâce à notre... à son beau-père défunt, donc elle préfère le laisser tel quel, et l'endroit. Ça, c'est la vie de Rabban Shimon ben Gamliel, et l'alakha, elle est comme lui. De même, même principe, avec d'autres noms, mais c'est exactement la même arloquette, comme il explique le Tosot Yom Tov. Naflula zetim ugfanim zkenim. Elle a reçu aussi des zetim, des oliviers, ugfanim, et des raisins, des vignes, zkenim, qui sont déjà vieux, ils sont plus tellement productifs. Imacheru la etzim, alors on les vendra en guise de bois. Parce qu'en théorie, si jamais ma femme m'apporte des oliviers, alors moi je peux que manger les olives qui vont sortir, mais j'ai pas le droit de prendre les arbres et en faire des meubles pour l'utiliser en guise de bois. Pourquoi? Parce que là, si je suis en train de. Je peux pas lui user le capital, je vais le laisser, moi je prends les fruits. Mais là, on a maintenant on a un capital que c'est plus intéressant de laisser tel quel pour le fruit qu'il produit, si ce n'est de l'utiliser lui-même. Alors qu'est-ce qu'on fera? Selon Chachamim, même principe, imacheru la'etzim, on les vendra pour en faire du bois pour le combustible. Mais la kach ba'en karka,
Et en contrepartie, on achètera avec cet argent qu'on obtiendra, on achètera un terrain, vehu ochel perot, et que le mari consommera les fruits et la rentabilité, les dividendes, quoi, de ce terrain, de ces fruits, de ce terrain qu'ils auront acheté. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Et Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, Lo timkor mi penei she'en shvach vetavia. Elle peut refuser de vendre et les laisser telles quelles, parce que lorsqu'elle voit les oliviers, ça lui rappelle son papa qui allait cueillir des olives. Et voilà, elle a envie de les laisser telles quelles, elle en doit. Et la halakha de Noël établie comme Rabbi Yehuda. C'est le même, je vous ai dit, c'est la même marloquette entre Chachamim et Rabbi Shimon ben Gamliel. Chachamim et Rabbi Yehuda, c'est la même chose. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ben Gamliel ont exactement le même principe. Amotzi otzot amirsi ishto. Maintenant, autre chose. Il y avait un terrain que le mari a reçu. Maintenant, le mari a investi pour que le terrain soit de meilleure qualité, pour qu'ensuite il pourra mieux exploiter. Vous savez bien, selon les végétaux qu'on va faire pousser, la terre supporte mieux ou moins. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pour le moment, ça fait déjà maintenant un an qu'il travaille à mettre des engrais avec une quantité exacte, tout ça, hein, pour que l'année prochaine, il pourra enfin faire pousser du lin, qui est une... Et comme ça, ça va... C'est ce qu'il envisageait de faire. Le problème, c'est que le lin, il a avant qu'il pousse, l'histoire, elle éclate entre eux, et puis maintenant, ça, ils vont divorcer. Alors lui, il va dire, attends deux minutes, je vais divorcer, mais toi, tu m'as fait rentrer un terrain qui coûtait 100 000. J'ai mis dedans 100 000, j'ai investi, j'ai pas touché un rond de ça. J'ai rien profité. Alors quoi? Rends-moi, donne-moi mon investissement que j'ai mis. Soit oui, soit non. Alors, c'est ce qui se passe. Amosé au Sotam Irseishto, celui qui va faire des dépenses pour les biens de sa femme. Ça peut être aussi une maison qui était une maison délabrée et qu'il a retapé, il a investi pour toute la repeindre et la remettre en valeur pour qu'ensuite ils allaient la louer très cher. Ouais, il aurait recouvert ensuite son capital, son investissement au bout de 2 ans, puis après toucher des dividendes beaucoup plus gros pour les années à suivre. Le problème, c'est qu'ils se sont disputés. Ouais, je préfère d'ailleurs parler de ce cas, ce sera plus facile pour qu'on se comprenne. Imaginez qu'il a investi, il avait un appartement qui coûtait 200 000, il a mis dedans 50 000 pour ensuite toucher une sri-route, une location plus chère. Au lieu de la louer à 3 000, il va la vendre à 5 000 parce que la maison est plus belle. Donc ça va lui prendre X temps, le temps de couvrir son capital. Il avait calculé que, Bezrat Hachem, au bout de 2 ans et demi, je rentre dans mes frais et puis après je gagne beaucoup plus d'argent. Ça valait le coup. Ce qui se passe, c'est qu'après, alors selon le cas, ils ont divorcé soit 2 semaines après, soit 2 ans après, soit 5 ans après. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la femme, elle doit payer le supplément qu'il a mis? Alors regardez, Amotzi Otsarot Amirseishto, celui qui va faire des dépenses sur les biens de sa femme, dans les biens de sa femme, pour qu'il soit plus productif. Hotzi Arbe Ve'achal Kima, il a dépensé plein, mais il a mangé un tout petit peu. Il a dépensé 1 tonne, ouais, il a mis 50 000 de travaux, et puis Achal Kima, une fois qu'il a tout, il vient à peine de recommencer maintenant à toucher les salaires, les locations, plus grâce, et à en profiter. Il a mangé un tout petit peu. Ou bien Kim'a, il a dépensé un peu, vers Khalarbe, il a mangé 1 tonne, ça lui a permis. Il a mis juste 10 000 shekels d'investissement d'opération, et puis après il a récupéré, grâce à ça il a déjà gagné plein. Dans toute la règle, elle est comme ça. Mâché Hotsi, Hotsi, ou Mâché Achal, Achal. On dit, écoute, quand tu as dépensé, tu l'as dépensé pour toi. D'accord? Tu l'as dépensé pour toi. Donc, tu peux pareil, rien réclamer à ta femme. Et ce que tu as mangé, c'est aussi pour toi. Si tu as réussi à rentrer dans tes frais et à gagner plein, tant mieux pour toi. Tu as dépensé plein. Mais dès que à condition que tu as commencé à manger un petit peu. Tu as commencé à profiter, c'est tout. C'est pour ton intérêt. Par contre, Hotsi Velo Achal, s'il a dépensé, mais il n'a pas encore eu le temps de manger, il a tout repeint la maison, elle était toute clean, tout truc. Et puis là, ils se sont disputés, il n'a pas eu le temps de trouver le premier locataire. Dans ce cas-là, Ishava Kama Hotsi Veitol, il jurera au Bet Din combien ça lui a coûté toutes ses dépenses. Et il prendra et récupérera de sa femme. C'est-à-dire, en fait, la maison a coûté 200 000, il a mis 50 000 de travaux, il n'a pas eu le temps de commencer à exploiter concrètement. Ouais, le premier locataire, il n'était pas encore venu. Et du coup, après, ils sont disputés, ils ont décidé de divorcer. Et bien, dans ce cas-là, on va dire, écoute, tu as mis 50 000, on va amener, bien sûr, un expert qui va évaluer la maison. Il va voir est-ce que la maison, elle a pris une plus-value. Si la maison, elle a pris une plus-value de 100 000 grâce à tes 50 000, tu ne recevras que tes 50 000. Si tu as dépensé 50 000 et tu as une plus-value de 30 000, on ne te donnera que 30 000. Mais en tout cas, tu recevras intégralement tout l'argent que tu as dépensé, moyennant jusqu'au plafond du prix que concrètement ce que la maison a pris comme plus-value, et tu récupéreras ton argent. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'aslacha kol tov.